Scène de violence ce jeudi dans le quartier de Wall Street à New York. D'un côté, les manifestants anticapitalistes rassemblés là pour marquer le deuxième mois de leur mobilisation. En face, la police bien décidée à déloger les protestataires. Pour ce faire, elle procède à plusieurs dizaines d'arrestations, parfois musclées. À défaut de réellement fermer la bourse, les manifestants ont réussi à semer la pagaille dans le quartier et à faire entendre leur message. Ces indignés américains, comme on les surnomme, dénoncent les injustices engendrées par les excès du capitalisme. Cette mobilisation anti-Wall Street, partie de New York, s'est étendue à d'autres villes d'Amérique du Nord et d'Europe.